Yep. Bonjour à tous, Artouk ouvre ses portes avec beaucoup de fierté, d'engouement et surtout de solidarité autour d'une femme qui est là, qui nous attend, Maryse Condé, prix Nobel de littérature 2018, cette Guadeloupéenne qui s'illustre par des propos de vérité et là pour nous dire, se raconter, se réconcilier et surtout nous parler de ses écrits, de tous ses écrits, en fait l'histoire de sa vie. Bonjour Sylvie. Bonjour Lise. Merci de nous recevoir. Merci et contente de te voir aujourd'hui à la maison. On est tous vraiment fiers et dans une attente forte de rencontrer votre mère qui a bien voyagé. Vous êtes sa fille, qu'est-ce que vous ressentez? Elle est arrivée au pays, qu'est-ce qui se passe là en vous? Oui, d'abord c'est une grande fierté pour moi qu'elle soit arrivée, surtout pour les vacances de fin d'année, qu'on puisse les passer ensemble et sous le sceau d'une belle reconnaissance internationale. Donc c'est un double plaisir. On va partager cette joie-là. D'accord. On va à sa rencontre. On va à sa rencontre. Merci. Merci. Bonjour Maryse. Bonjour. Bonjour. On est très, très, très content de vous rencontrer. Et toute la Guadeloupe est autour de moi, autour de nous, pour vivre ce moment. Et on est très content. Bonjour. Bonjour. Le voyage n'est pas trop difficile quand on arrive comme ça. Le comité d'accueil était extraordinaire à l'aéroport. Ça ne s'oublie pas. Non, ça ne s'oublie pas. C'est inoubliable, oui. Tout à fait. Merci. Maryse, quand vous êtes arrivée hier, maintenant ça fait... Vous êtes arrivée hier, là, vous avez dormi, récupéré. On se dit quoi quand on se réveille? On se dit enfin, enfin, parce que j'ai beaucoup attendu ce retour, ce moment en rebond. L'intensité du moment. Maryse Condé, régénérée par la joie des siens. Une histoire de mots sur une partition de vérité. Maryse Condé, je ne sais pas si vous vous souvenez de votre premier geste d'écriture et surtout de votre état d'esprit le jour où vous avez décidé de commencer à livrer ce que vous avez en vous. Qu'est-ce qui s'est passé en termes de déclic? Je crois, monsieur Passier, mais je crois que c'était au gala après une nuit où je n'avais pas du tout dormi. Je ne savais pas pourquoi. Je fais des choses qui bouillonnaient à travers moi et que j'avais envie de dire. Mais je ne savais pas pourquoi. Donc c'est un souvenir un peu confus, un peu un rêve, un peu une chose dont je parle avec précaution. Avec précaution parce que vous n'arrivez pas à définir exactement ce qui s'est passé en vous, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'est imposé à vous. C'est, en fait, j'ai toujours eu envie d'écrire. Petite, ado, plus âgée. Mais j'avais un peu peur de l'écriture. Il y avait dans le fait de livrer ses pensées, ce soi-même aux gens, une sorte d'arrogance, une sorte de, oui, arrogance qui me convenait mal. Je suis d'une nature un peu secrète et je n'ai pas envie de livrer ce que je pense et ce que je ressens. Donc, j'étais partagée. Et finalement, un jour, la force m'a envahi et j'ai commencé à écrire. Mais je ne sais pas pourquoi. Le début d'une grande et rebondissante épopée. Des romans, plus d'une trentaine, un langage précis, en mélodie, où l'écrivaine plonge sans pudeur dans les entrailles de sa pensée et celle du monde. Une audace de dire, maîtrisée, qui décortique destin et destinée. Du pur et dur qui subjugue, du sans phare, un véritable face-à-face. Quand on commence à écrire et que ça s'impose, on change de nature, vous étiez timide, réservé, une éducation assez stricte, et finalement vous avez arraché ce voile qui vous emprisonnait
pour laisser libre cours à votre nature. Est-ce que cette timidité a fini par disparaître ou bien est-ce qu'elle habite encore tous vos écrits? Je crois que non. La timidité est là, toujours là. J'éprouve un certain malaise à dire certaines choses, à crier certaines choses. Mais je crois que ça fait partie de ma vie de défier les tendances intimes en moi. Le silence, le désir de garder tout pour moi, de ne pas m'exposer, je crois que c'est cette tension qui me fait sacrer. Tension entre le fait de ne rien dire et le fait de livrer au plus grand nombre ce que l'on ressent. Arriver à cette pureté, à cette vérité, ce n'est pas facile. Écrire ce que l'on ressent le plus profond de soi-même, ce n'est pas facile du tout. Quand on arrive à le faire, on devient quelqu'un d'autre, on ne s'appartient plus puisqu'on livre tout son fond aux autres. Est-ce qu'on a le sentiment de s'abandonner? Vous savez, celle qui écrit n'est pas celle qui vit. C'est Jean Borsart qui a dit « Vivre, écrire, il faut choisir. » Quand vous écrivez, vous êtes un personnage second que vous ne maîtrisez pas du tout. Il n'y a pas de rapport entre l'acte d'écrire et l'acte de vivre. Vous vivez et vous écrivez, mais les deux sont différents et voisins en vous. Quand je relis mes livres anciens, je suis toujours étonnée. Je les redécouvre. C'est une autre que moi qui a parlé, qui a osé dire cette chose, qui a osé écrire. Il n'y a pas de liaison entre les deux, pas entièrement. Vous avez eu un parcours très bougeant, exemplaire. Bien sûr, la Guadeloupe, votre pays d'origine. Vous avez vécu aux États-Unis, en Afrique, maintenant dans le sud de la France. L'éloignement permet un recentrage de son identité. Je me cherchais en Afrique, en France, aux États-Unis, partout. Mais je me suis rendu compte que ma base, ma formation, mes fondations étaient de la Guadeloupe. C'est bizarre d'avoir vu tant de pays, tant de paysages, tant d'étrangeté et d'être toujours, de savoir que le point d'ancrage, c'est la Guadeloupe. On ne comprend pas le monde, ni les gens. Donc, on se retourne vers soi pour voir si peut-être une force en soi aidera à comprendre ce qui se passe autour de vous. Maryse Condé, vous êtes une femme noire, guadeloupéenne. Vous avez beaucoup défendu justement la posture, la stature de la femme, bec et ongle, parce que vous voulez dire au monde que justement la couleur de peau, l'origine, ce n'est pas le fondement d'une pensée. Oui, mais il m'a fallu beaucoup de temps pour y arriver. Au début, je pensais qu'une femme, une noire, née dans un petit pays sans importance, n'avait aucune chance de faire entendre sa voix, aucune chance de faire le monde la respecter et l'écouter. Donc finalement, j'y suis parvenue, mais toujours au bout du quête très très long et des fois très douloureuse. C'est un terme qui revient souvent chez vous. C'est que vous avez écrit, on vous connaît, la reconnaissance est là, le prix Nobel, mais la douleur, l'effort qu'a traversé toutes ces années, de quelle nature était cette douleur et ces efforts? Est-ce qu'on peut en parler de ces choses comme ça, secrètes qu'on porte, où on a fait beaucoup, beaucoup d'efforts en soi pour arriver à être? D'abord, le fait que je sois malade,
C'est d'abord très dur. Au début, on se révolte. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi pas un autre? Mais finalement, on y arrive à comprendre pourquoi. Enfin, non pas comprendre pourquoi, mais à accepter à être ce qu'on veut que vous devenez. Mais avant, bien sûr, il faut apprendre à se connaître, à comprendre le monde, à respecter les autres, à les accepter comme différents et proches à la fois. Et c'est toute une vie d'efforts pour arriver à un résultat de tolérance et de proximité infinie avec tous les êtres humains. Ça prend un temps fou et beaucoup d'efforts, beaucoup de douleur, comme vous dites. La douleur fait partie intégrante de cette explosion d'idées et de propos. C'est presque une fondation. Il faut ressentir cette douleur pour en faire une beauté, quelque chose de précieux à livrer aux autres. Mais la douleur, c'est l'essentiel de l'être. C'est l'être à l'état pur. Si on ne souffre pas, on ne connaît pas la vie, son intérieur, son extérieur, il faut souffrir. C'est dur à dire, mais la souffrance est partie intégrante de la connaissance de soi et des autres. Je lisais à un moment donné que vous avez parlé de votre mère, éducation bourgeoise, votre mère, et ce manque d'amour que vous aurez pu ressentir au niveau de cette relation à votre mère. Est-ce que c'est déjà un premier socle de douleur qui vous a conduit à être tout ce que vous êtes? Ce sentiment que votre mère ne vous a pas donné, cet amour qu'on peut attendre en tant qu'enfant, c'était un ressenti ou une... Je crois qu'elle était tendre, mais ne savait pas toujours montrer sa tendresse. Un peu froide, parce qu'elle était gauche, pas sûre d'elle-même. Donc, oui, c'était un premier obstacle à la relation que j'ai eue après de qui je suis, certainement. Votre mari, Richard, fait partie intégrante de votre vie. C'est presque votre binôme, il vous accompagne, il vous exhale, il vous amène à être encore plus ce que vous êtes. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance de connaître Richard, de vivre avec lui pendant 50 ans, un demi-siècle, comme on dit. Oui, mais sans un homme qui vous comprend, qui partage tout ce que vous pensez, il faut faire un effort pour arriver à être soi-même. Je pense que j'ai eu de la chance, mais j'aurais quand même sans Richard, essayé de deviner, de comprendre qui j'étais. Votre regard aujourd'hui sur l'Afrique, la Caraïbe et l'Europe, comment vous vous positionnez? Comment vous regardez tous ces continents? Comment vous regardez la vie qui coule finalement sur le monde? J'avoue, j'ai un peu peur. Je viens de finir un livre de Philippe Lanson, Le Lambeau. Il faisait partie des journalistes qui ont été abattus à Charlie Hebdo. Donc finalement, des faits comme ça sont un peu effrayants pour nous. On ne comprend pas pourquoi. Pourquoi détruire les caricatures de Mohamed était certainement une erreur grave, mais cette erreur pouvait être réparée autrement. Donc le monde tel qu'il est maintenant me fait un peu peur. La violence aveugle, les attentats, les incendies un peu partout me font peur. C'est un peu le sens de mon dernier livre, des jeunes gens, Ivan et Vanna, dans la vie, ils se demandent que sera le même.
ils ne voient même pas le bain. Ils ont l'impression que demain n'arrivera jamais. Et l'un d'entre eux meurt. Et pourquoi cette mort? Qui sent cette mort? Personne ne le sait. Il y a un registre qui est, que j'aime beaucoup, c'est ce livre-là aussi, Mes et Merveilles, que vous êtes interrogé sur les aliments, les odeurs, les goûts, les saveurs. Ça a été cette envie d'explorer ces ingrédients-là? Je crois que c'est plutôt un hommage à ma grand-mère. Elle était cuisinière en plein chez des blancs pays, un peu une position certainement subalterne, un peu honteuse. Mais je voulais dire que la cuisine et la littérature se rapprochent par une recherche de son, dans un cas, de goût, dans l'autre cas, qui plaisent à ceux qui y ont accès. C'est arriver à trouver de la grandeur dans les choses qu'on peut considérer comme petites. L'échelle de valeur est à refaire. Pourquoi une cuisinière est moins appréciée qu'un écrivain? Il faut penser, c'est une recherche de beauté, de goût, de saveur, d'esthétique qui est différente à chaque fois. La musique aussi occupe une grande place dans votre vie. La mélodie des mots. Il n'y a pas de vie sans musique. La musique vous envahit de partout. J'écris en musique, je vis en musique, je n'envisage pas ce que ça me correspondait sans musique. Alors vous avez une exigence du mot, il faut qu'il ait une musicalité, il faut qu'il ait du sens, il faut qu'il soit à juste place, il faut vraiment que chaque chose s'imbrique comme de la musique. Le mot est souvent réduit à sa signification. Il a un son, il a une musique, il a une mélodie. Donc j'essaie, quand j'écris, d'être fidèle et au son et au sens, les deux à la fois. C'est pas facile. Je suis fière, extrêmement fière, d'être celle qui a fait entendre la voix cachée de la Guadeloupe. Revenons à ce prix Nobel de littérature 2018 que vous venez de recevoir, c'est tout récent. Vous êtes revenu en Guadeloupe avec ce prix. Oui. Qu'est-ce que cela procure en vous de fondamental? Je n'avais pas été très gâtée dans le domaine des prix. Les Français m'avaient toujours considéré comme un ambassadeur. Donc c'était gratifiant, bénéfique, profondément utile d'être enfin reconnu. Mais je crois qu'un écrivain n'a pas besoin d'être reconnu. Il suffit qu'on fasse ce qu'on aime, ce en quoi on croit, et qu'on y arrive plus ou moins aisément. Donc je crois, Nobel, c'est beaucoup. Et c'est en fait très peu de choses. Beaucoup et peu à la fois. C'est-à-dire que vous n'en faites pas quelque chose, vous installez dans l'orgueil, mais ça simplement la suite logique. Ça ne me change pas. Je suis la même. Mes enfants, mon mari, savent que je n'ai pas changé. Je suis heureuse de leur bonheur, mais c'est tout. Pour moi, c'est un cadeau que j'ai offert. Vous avez offert. Est-ce que dans votre existence, vous pensez qu'il y a eu plusieurs Marie Scondé? Celle qui avait forcément 20 ans, 30 ans, 40 ans, maintenant, aujourd'hui. Est-ce que c'est un fil conducteur qui s'est déployé? Ou bien est-ce que chaque fois, vous vous êtes renouvelé en termes de, pas de personnalité, mais de manière de regarder autour de vous et de vous regarder vous-même? Non, je crois que c'est toujours la même
qui a un peu plus d'expérience, un peu plus de connaissances, un peu plus de habileté à comprendre le monde autour d'elle et elle-même, mais que c'est la même Marie Sourmi. Pour comprendre et pour donner un sens à son existence, que faut-il faire? Quelle question? Je n'ai pas de réponse. Je crois que tout le monde cherche, et moi, je cherche comme les autres, et peut-être qu'on y arrive, peut-être pas. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas de guide, pas de modèle, pas de recette toute faite. On essaie, et peut-être qu'on finira bien par y arriver. Merci pour ce moment d'échange et de vérité. Merci d'être là, merci pour ce prix. Et on vous dit à très bientôt et on va continuer à vous lire et vous suivre à travers vos récits. Merci à vous. J'espère qu'on continuera à lire et à relire ce que j'ai eu le courage de dire. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vive la littérature, vive ce prix Nobel 2018, Marie Scondé. Au début, je pensais qu'une femme, une noire, née dans un petit pays sans importance, n'avait aucune chance de faire le monde la respecter et l'écouter.